à question que Godson Pierre Pral posait concernant justice, sécurité publique, qu'il s'agisse de redéfinition de l'État, pénalisation du crime ou encore système carcéral. En pile monde dans la société a demandé depuis longtemps pour l'État changer. Présence sur tout territoire, assurer service social pour tout le monde, garantir respect des droits citoyens, c'est une série de défis que nous faisons face à eux. Alors, dans 5 ans mandat présidentiel, là, qui étape précise que nous capables de suivre pour arriver justement à l'objectif ça? Bien, Madame Maniga. Merci. Eh bien, là, il y a parlé de l'État, en général, bon, confusion. Je confonds l'État avec gouvernement. Alors que gouvernement, c'est pouvoir exécutif et que l'État gagnait précisément pouvoir judiciaire, pouvoir parlementaire la dernière. Ensuite, c'est de bonne guerre en Haïti comme ailleurs pour accuser l'État. Et nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons pas les moyens pour nous envisager un État-providence, c'est-à-dire État qui baille toute bagaille. Mais nous avons nécessité pour nous avoir un État gestionnaire, pour nous avoir un État ordonnateur. Ça veut dire que l'État, non seulement l'a rempli rôle à travers les trois pouvoirs, mais en outre, l'État, ça a tout. Lit ses partenaires avec le secteur privé, par exemple, avec les associations et tout, pour lit capable bien gérer le bien public au service de tous. Mais insister sur le fait que faut qu'on ne pas confondre État et gouvernement. Deuxièmement, question de la justice. Moi, je crois que l'habitude dit en Haïti que nous avons raison, que tout juge corrompu, que la justice pas existé, que faut payer pour gagner justice, etc. Et tout ceci est vrai. Nous n'avons pas suffisamment de tribunaux, nous avons seulement 27 juges d'instruction, nous avons 34 juges d'instruction, 27 juges de siège, nous n'avons pas sur mon en province pour un sac qui tribunal de paix, c'est pas un cap forward. Nous gagnons effectivement un problème de l'institution que nous avons justice, nous avons un problème de s'aurélier la chaîne pénale, c'est-à-dire depuis que nous avons arrêté jusqu'à ce que l'on en prison, nous avons un problème ça. Nous avons un problème en ce qui concerne la formation des magistrats, formation des avocats. Nous avons un problème en ce qui concerne l'application des codes. Nous avons de bons codes, même si ils ont remonté à Boyer, mais ils ont amélioré de temps en temps. Nous avons de bons codes. Et Haïti, lui-même, partenaire dans certains nombres de conventions. Nous avons des problèmes, nous avons de bonnes lois, mais qui pas appliquées. Nous avons nécessité pour nous gagner d'autres lois, par exemple, sur l'école de la magistrature, ou bien alors, enfin, pour nous gagner le Conseil supérieur de la magistrature, nous gagnons, d'une part, appliquer ça nous gagne, améliorer si c'est nécessaire, de l'autre, n'a pas nécessité de nouvelles lois, de façon à ce que justice là, nous capables en justice de proximité, ou justice qui est valable pour tous. C'est bon justice qu'a fait à la tête du client et l'indépendance de pouvoir que relève le pouvoir judiciaire. Merci Madame Maniga. Monsieur Mantelli, et c'est à vous-même que vous avez 3 minutes pour répondre à la question Godson Pierre. Je dis tout simplement que nous avons justice, nous avons pouvoir judiciaire en Haïti. Et je dis que 3 pouvoirs, ça y est, qu'il s'agisse de l'exécutif, du législatif, ou encore du judiciaire, tout dysfonctionnel. La police est sous contrôle de la justice. Le budget de la justice est de 1%. Et dans 1%, ça, 80% allait pour la police. Donc, à qui ça que justice n'a pas travaillé? Et ce pouvoir judiciaire n'existe pas parce que il n'y a pas jamais nommé 3 juges pour y nommer, plus le président de la Cour de cassation et le vice-président de la Cour de cassation qui vous fait 5 juges, qui vous viennent faire que pouvoir exister, qui vous viennent créer CSPJ, hein, le Conseil supérieur de judiciaire. Et donc, en fin de compte, nous avons dit que l'état de droit que nous avons cherché n'est pas qu'à exister en Haïti. Il n'est pas qu'à exister parce que l'état de droit, c'est le où on justice qui est équitable, qui pour tout le monde, et côté que, et même le, la plus haute instance qui l'exécutif, par exemple, qui prend mesure de loi d'urgence, qui décrété que l'a prêté pour 3 mois en plus là, ou pas gain recours en inconstitutionnalité,
parce que justement on ne peut pas aller devant la Haute Cour de justice parce que ou bien président Sénat, c'est vrai, mais ou pas gagné le président de la Cour de cassation, ou pas gagné le vice-président de la Cour de cassation, ou pas gagné l'école de la magistrature qui l'a. Donc le pouvoir judiciaire n'existe pas, je dirais carrément. Il y a certains membres qui sont là, mais ça n'existe pas. Au niveau de la police elle-même, il n'est pas encadré, il n'est pas structuré, il n'est pas de conditions nécessaires pour le travail. Et pas plus tard que hier soir, moi rencontré un policier qui montrait mon carte de débit que l'État bali pour le manger chaque jour. Et carte de débit ça, censé chaque mois pour mettre des fonds sous lit. Et monsieur a expliqué que c'est chaque 2 mois que mettre des fonds sous lit. Ça veut dire que il paraît que l'État ou bien justice là qui a régulé la police à un moment, t'as suggéré monsieur pour manger chaque mois ou chaque 2 mois. Donc c'est pour vous dire que on n'a pas le matériel nécessaire, on n'a pas l'état de droit, ok, on n'a pas un recours en inconstitutionnalité, et tout est dysfonctionnel. Et même le Sénat maintenant, et le tiers du Sénat n'est pas là, la chef des députés n'est pas là, et l'exécutif est constitutionnel parce que les bonnes lois, personne ne bat contre Karel. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut même pas parler de justice maintenant en Haïti. Madame Maniga, vous avez une réponse ou un ajout qu'on a aimé faire à la question? Non. Bien, alors. Simplement, la Haute Cour de justice, quoique Michel Martelly, on vous a mal conseillé sur la Haute Cour de justice. D'accord? Moi, des conseillers judiciaires, expliquez-vous ça y aurait la Haute Cour de justice. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous l'avez juste mentionné en parlant du président du Sénat et que pas un président de la Cour de cassation. C'est quoi pour vous la Haute Cour de justice? C'est quoi? Bon, d'après les informations que j'ai, parce que moi, je ne suis pas avocat, pour aller et pour faire recours devant la Haute Cour de justice. Mais c'est quoi la Haute Cour de justice? C'est quoi? C'est mettre ensemble. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ce conseil, une cour qui devra décider, qui devra trancher. Non, mais c'est quoi la Haute Cour de justice? Ah bon, la Haute Cour de justice, c'est le Sénat. Non. La Haute Cour de justice, monsieur Martelly, ou attaquer, ou dit comme dit constitutionnaliste, m'auto-proclamer. Pas du tout. J'ai fait des études. Pas parler de ça. Mais là, on va parler de Haute Cour de justice, faut qu'on ait que c'est le Sénat. Qui est la Haute Cour de justice? Madame Maniga, s'il vous plaît, le public. Alors, m'a rappelé, candidat, monsieur Martelly, oui, vous avez un droit de réponse, non, si vous avez besoin de répondre. Je n'ai jamais dit que j'étais constitutionnaliste. D'après ce qu'on m'a appris, et pour aller pour la Haute Cour de justice, il fallait que le président du Sénat soit là et le président de la Cour de cassation. Non, je vous ai demandé que c'est quoi finalement? Qu'est-ce que c'est comme bien tribunal? Alors m'a rappelé nous que nous pourrons le gagner en fin de débat. Nous pourrons le gagner. S'il vous plaît, le public. Merci, public, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi, rappelez nous que nous pourrons gagner un temps de questions-réponses avec entre candidats. Donc, on a utilisé tant ça. Pour le moment, nous pourrons continuer avec les journalistes tout de suite parce que les journalistes qui ont posé des questions, ils ont un droit de relance là actuellement. Et Marcus Garcia, oui, s'il vous plaît. Eh bien, merci Elisabeth. Bon, et c'est toujours à propos de justice, sécurité publique là et justice là, quand coûte tout de candidats élevés, c'est gros problème nous en Haïti. Et sécurité publique là, nous connaît que son force étrangère qui assure elle. Faut ne pas oublier ça. Bon, nous pas, n'a venu son question qui est important dans, ça, c'est CADAS là. Candidat yo tout de yo parler de plan pour reloger sans abri yo. Mais c'est sous qui bon? C'est terre ça yo, à qui est-ce en Haïti yé? Tel état yo que en pile moun occupé, et c'est pas seulement sinistré seulement qu'occupé yo. Comment récupérer Tessao pour un développement qui est harmonieux? Ensuite, nous connaissons que question foncier, à qui appartiennent les terres là, les débouchés tout sous investissement. Grand pile monde qui t'a voulu investir en Haïti, mais il y a peu question Tessao. À qui appartiennent les terres? La question du foncier, du cadastre, est une question qui est primordiale. Ok, monsieur Martelly, vous avez une réponse sous question cadastre là? Sous question cadastre là, je dirais tout simplement que après une minute, oui, c'est pas 3 minutes. Oui, non, c'est 1 minute. Relance sur réaction après, et relance 1 minute. Mm-hmm. Après séance de travail avec l'OEA, je dois vous dire qu'elle travaille sur la question des cadastres. Malheureusement, ça va nous prendre du temps. La prend minimum de 2 ans pour qu'à commencer à identifier certaines terres et au maximum de 7 ans. Donc, entre-temps, ce que ça me proposait moi-même, m'a proposé que l'État
et instituer dans les cas prioritaires pour que gagne des investissements lourds qui a bien fait dans le pays, qui a créé emploi. Moi proposer que par exemple si on litige que litige là li fait et devant la justice, mais que l'État dans pareil cas par exemple qui a décrété le domaine d'utilité et public, que le permettre mon investissement et que le litige là li géré, l'État lui-même rembourser mon qui propriétaire. Aussi simple que ça. Madame Maniga, s'il vous plaît. Bien, en ce qui concerne la propriété foncière en Haïti, nous connaissons que l'État est un grand propriétaire. Mais qu'il y a deux catégories de terres. Il y a des terres du domaine public, que le PACAP cédait du tout, et il y a des terres du domaine privé. Cela dit, l'État, malheureusement, responsable du cadastre, l'État pas même connaît qui côté le gagne terre, qui quantité terre que le gagne, et l'équité, par exemple, les municipalités, et ça, c'est deux articles de la Constitution qui sont responsables de ça, que des magistrats communaux dans certaines régions, ils prennent de l'État. L'État pas réclamé, l'État pas affirmé droit. Moi, je crois que, en ce qui concerne le domaine privé de l'État, l'État est capable de disposer effectivement de tes saillots pour y aménager, par exemple, relocation des gens qui vivent sous les tentes, et surtout pour permettre aux investisseurs étrangers de louer au moins cette terre. Bien, s'il y a des journalistes, s'il y a des relances, s'il vous plaît. Oui, mais pour l'État reprendre domaine privé, cela implique justement aux questions qui soulevaient là l'autorité de l'État. Si par une justice rétablie, si nous pas rétablis l'autorité de l'État, l'État devient impuissant dans le cas ça. Bien sûr. Est-ce que c'est bien ou bien dit que c'est pour l'État reprendre terre privée? Non. Domaine privé de l'État domaine que l'on envahit. De l'État, l'impératif que le gain cadastre, ça c'est certain. Et moi, peut-être que dans certains cas, l'État qui connaît qui ça le gagne, mais pas dans la totalité, puisque justement, nous connaissons des autres qui régnaient pendant les dernières années. Et donc, il faudra attendre. Moi, l'homme parlait de terre que m'identifiait déjà. Et chose drôle, il s'agit de négociations que me fait avec des terrains et qui pas appartenir à l'État pour déplacer les gens. Terrains qui pas appartenir à l'État. Bien, Madame Maniga. Non, simplement mentionner, juste mentionner le droit qu'a l'État d'exproprier pour des raisons d'intérêt public. Cependant, expropriation, il faut qu'il soit fait selon des lois qui existaient. Malheureusement, nous voyons ça qui a passé dans le bas de la villa, qu'il y a eu des expropriations, mais il y a eu aussi beaucoup d'abus qui sont faits. Et public là, en tout cas moi-même, pas de guetter en bas, mais cependant, il y a des gens qui étaient guetter en bas, qui étaient des propriétés plutôt, et qui n'étaient pas de nues propriétés, qui étaient des cailles sous yo, qui étaient des magasins sous yo. L'État a un droit exproprié, mais il faut que l'État baille le bon exemple pour commencer par appliquer la loi que lui-même les gagne en matière d'expropriation. Bien, une dernière question de candidat, de journaliste, parce que nous allons finir avec le deuxième thème. Non? C'est ça. Madame, je vais venir sur l'aspect consolidation système démocratique, là, et notamment sur la question qui est adressée à Madame Maniga. Normalement, nous connaissons que le Parlement est presque dysfonctionnel. Nous gagnons la Cour de cassation qui n'est pas jamais président. Ce qui est grave, c'est qu'on a eu une prolongation de mandat du chef de l'État. Et question maintenant, je connais Mme Maniga, souvine président de la République, qui le mandat a fini? Puisque nous connaissons le président supposé, c'est 14, c'est 7 février, la Constitution, qui le mandat a fini et qui soit capable de faire pour remettre le système dans son rail légal pendant qu'on parlait de réforme de l'État? Eh bien, là, nous tombons effectivement à la Constitution et dans la manipulation que vous faites de la Constitution. Constituant, et si quelqu'un qui l'a demandé au pardon déjà, ils commettent une erreur grave. C'est qu'ils ont fixé une date. Ils n'ont pas fixé un délai. Ils ont fixé une date 7 février. Et je ne peux comprendre, c'est que dans l'histoire constitutionnelle noire, nous avons gagné des débats de ce genre qui étaient faits en 1950 et en 1902. Nous avons gagné le même problème, ça, lorsqu'on a une date précise dans la Constitution. Alors, si vous voulez respecter la Constitution, c'est le 7 février. M'a monté en mai 2011, m'a promis de pouvoir le 7 février 2016. Maintenant,